Tard dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, le barreau de Guinée a appris, avec consternation, l'explosion du dépôt principal de carburant SI à Corentin dans la commune de Kaloum. En ce moment douloureux, le barreau de Guinée, au nom de l'ensemble des avocats qui le composent, exprime sa compassion, sa solidarité et son soutien total au peuple de Guinée en général et aux familles des victimes en particulier. Le barreau de Guinée présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le barreau de Guinée félicite les autorités guinéennes, les pays amis ainsi que toutes les personnes de bonne volonté pour la promptitude dans la prise en charge de cette catastrophe nationale. Par ailleurs, le barreau de Guinée constate avec regret qu'au lieu d'être solidaire, certains individus profitent de ce drame national pour spéculer sur les prix du carburant et certains denrées de première nécessité. Le barreau de Guinée condamne fermement de telles pratiques et invite les autorités guinéennes à tous les niveaux à prendre des dispositions adéquates en vue de mettre fin à de telles attitudes contraires à l'esprit de solidarité qui constitue l'un des éléments de notre devise « Travail, justice, solidarité ».